inégalité triangulaire. Nous allons montrer que dans un triangle, par exemple ABC, la somme de deux côtés, par exemple AB plus AC, est supérieure au troisième côté. Et c'est valable en prenant n'importe quel côté à la place de BC. Comment imaginer la somme AB plus AC? Euclide a eu l'idée de prolonger AB avec un segment, il disait ligne, même longueur que AC. Voilà. D. Donc on a construit AD égale AC. Pourquoi? Pour que la somme AB plus AC devienne AB plus AD. Autrement dit, BD. Donc BD, c'est cette somme-là. Il faut montrer que cette somme est plus grande que BC. Voilà à quoi se réduit notre affirmation. Mais raisonnons un peu dans le triangle ADC, qu'est-ce qu'on remarque? Deux côtés égaux, triangle isocèle, les angles à la base sont aussi de même mesure. Et maintenant, si je passe à cet angle, angle BCD, il est plus grand que l'angle ACD, et cet angle ACD, il est égal, je vais te dire, à ADC. Donc BCD, l'angle noir là, il est plus grand que l'angle ADC, celui-ci. Alors, l'axiome d'Euclide, dans les pages précédentes, nous dit que si un angle est plus petit qu'un autre, le côté qui s'oppose, il est plus petit que le côté qui s'oppose à l'autre. Voyons ici, ADC, l'angle bleu, est plus petit que l'angle noir. Donc le côté qui s'oppose, BC, est plus petit que le côté qui s'oppose à l'angle noir, autrement dit BD. Je répète, dans le triangle BCD, le côté qui s'oppose à l'angle bleu, c'est-à-dire BC, est plus petit que le côté qui s'oppose à l'angle noir, BD, parce que l'angle bleu est plus petit que l'angle noir. Mais alors, BC inférieur à BD, c'est exactement ce qu'on veut démontrer. Quod erat demonstrandum. En français, ce qu'il fallait démontrer. Et voilà la démonstration de l'inégalité triangulaire. D'ici, on tire comme conclusion qu'il faut que chaque côté soit inférieur à la somme des deux autres, sinon le triangle ne peut pas être construit. Any two sides and of a triangle taken together are greater than the third side produce and make equal draw than because equal
we have equal, therefore, greater than, therefore, plus, greater, and therefore, plus, greater, quod erat demonstrandum. Any two sides, blue, and red, of a triangle, taken together, are greater than the third side, black. Produce blue and make dotted blue equal to red, and draw yellow. Then, because dotted blue equal red, we have blue angle blue equal angle red. Therefore, yellow yellow plus blue greater than red. Therefore, blue plus dotted blue greater than black. And so, blue and red greater than black. Quod erat demonstrandum. Any two sides, blue and red, of a triangle, taken together, are greater than the third side. Proof. Produce blue and make dotted blue equal red. Draw yellow. Then, because dotted blue equal red by construction, we have blue equal red, angle blue equal angle red. Therefore, angle blue plus angle yellow greater than red. Therefore, blue plus dotted blue greater than black. And so, blue plus red greater than black. Quod erat demonstrandum. N'importe quel deux côtés, bleu et rouge, d'un triangle, bleu, rouge, noir, pris ensemble, sont plus grands que le troisième côté. Autrement dit, la somme de ces deux côtés, bleu et rouge, est plus grande que le troisième côté, le noir.
Pour démontrer cela, on trace après le côté bleu, on prolonge avec un côté bleu pointillé qui est égal au côté rouge. Bleu pointillé égale rouge. Et on relie, tracer ce côté jaune. Et comme le bleu pointillé est égal au rouge, le triangle ici est isocèle, donc les angles à la base sont égaux. L'angle rouge est égal à l'angle bleu. Alors cet angle est plus grand que cet angle. Et donc le côté opposé à cet angle est plus grand que le côté opposé à cet angle. Un angle plus grand s'oppose à un côté plus grand. Ça veut dire que bleu plus bleu pointillé est plus grand que le noir. Mais à la place de bleu pointillé, on peut mettre le rouge. Parce que bleu pointillé et rouge, par construction, sont égaux. Conclusion, le bleu plus le rouge, leur somme est plus grande que le côté noir, ce qu'il fallait démontrer.